Ils sont plus de 300 000 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle au Burkina Faso pour cette session 2019. L'administration des épreuves a débuté ce matin. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir. Eh bien, les dés sont jetés pour les épreuves du BEPC session 2019 où plus de 300 000 candidats concourent sur l'étendue du territoire. Une de nos équipes a fait un tour au complexe scolaire Aurore 7 à Ouagadougou afin de s'imprégner de l'ambiance de cette première journée de composition. Ils sont 414 candidats au jury 111. Delphine Banissi et Jonas Tondé pour le reportage. 6h30, nous sommes au complexe scolaire Aurore. À l'appel de son nom, le candidat répond par l'affirmatif s'il est présent, sa carte d'identité en main, entre dans la salle, s'installe au numéro correspondant à sa fiche de table. Le président du jury, quant à lui, sillonne les salles pour s'assurer que tout se passe bien. Cette année, au niveau de l'administration des épreuves, il n'y a pas de difficulté particulière. Généralement, chaque début de session, le premier jour, il y a le contrôle de présence des candidats. Bon, il y a des absents, il y a des candidats parfois qui n'ont pas leur pièce d'identité. Mais cette année, bon, on n'a pas rencontré de candidats qui n'ont pas de pièce d'identité. Bon, ce sont des absents, mais il fallait attendre le début des épreuves pour confirmer qu'ils sont réellement absents. Il y a 414 candidats dans le jury. Environ 7h25, le premier sujet qu'est l'épreuve de dictée est présenté aux candidats dans la salle numéro 1 en présence de plusieurs témoins dont les surveillants et un représentant des forces de défense et de sécurité présents sur place. 7h30, la dictée est lancée. Première épreuve de cette section 2019 du BPC qui prendra qu'une trentaine de minutes. Plusieurs épreuves suivront et les premiers résultats pourraient être disponibles dès la semaine prochaine. Bonne chance donc à tous les candidats. La musique chrétienne, on en reparle ce soir. Eh bien, il s'agit du Festival de musique chrétienne qui est à sa 5e édition. Le top de départ des festivités de cette 5e édition a été donné dimanche dernier à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue. Occasion pour le promoteur d'annoncer les innovations de cette édition 2019. Delphine Banissi, Yannick Kabore. Je déclare ouverte la 5e édition du Festival de la musique chrétienne. Et c'est ainsi parti pour la 5e édition du Festival de la musique chrétienne sous le thème « Toutes les langues rassemblées pour sa gloire » avec pour objectif principal de réunir les acteurs de la musique chrétienne afin de toucher des âmes. Et pour cette édition, l'innovation majeure est que le festival porté sous les fonts baptismaux par la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue ouvre désormais ses portes à l'ensemble des dénominations qui comptent la Fédération des Églises et Mission évangélique. Une autre innovation est ce concert prévu à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. La particularité cette année, c'est que nous avons institué un concert à la Mako. Nous avons prévu et c'est pour communier avec les gens de la Mako, permettre à ces détenus-là d'être aussi dans la joie et de leur apporter ce que nous avons de tout cœur. Et l'autre particularité, c'est de regarder vers notre nation et nous agenouiller devant le trône de la grâce de Dieu, convier toute la nation à s'agenouiller devant le trône de la grâce de Dieu pour demander la paix au Burkina Faso et avec une particularité, avec toutes les langues possibles. La FEME étant désormais associée à ce festival, c'est un message d'encouragement car très belle est l'initiative, selon le docteur Simeon Rondé, responsable spirituel de la fédération. C'est d'abord un message d'encouragement, d'appréciation, parce que l'idée est très belle. J'estime que c'est une initiative inspirée par Dieu, de regrouper les gens, de rendre gloire au Seigneur.
c'est vraiment très important au niveau de l'économie. Donc, il faut vraiment apprécier. Le parrain a pour sa part salué cette initiative à sa juste valeur. C'est une épreuve totalement dédiée au Seigneur. C'est un moment pour nous pouvoir célébrer le Seigneur comme il le désire avec excellence. Donc c'est pourquoi nous avons accepté d'organiser cette activité. Plusieurs activités donc sont inscrites au menu de cette 5e édition. Des panels, des visites aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, une nuit de louanges et d'adoration. L'apothéose de cette 5e édition aura lieu le dimanche 23 juin 2019 à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie avec la grande nuit du festival où des prix seront décernés aux acteurs influents de la musique chrétienne au Burkina Faso. L'actualité internationale et nous parlons de l'industrie automobile qui est en pleine mutation ces derniers temps. Le constructeur américain Ford annonce la fermeture de son usine de moteurs au Royaume-Uni, menaçant du coup 1700 emplois. Mais avant, on se replonge dans le débarquement de Normandie où les rescapés presque centenaires aujourd'hui commémore le 75e anniversaire. Suivez. Le jour où ils sont arrivés sur les plages de Normandie, il y a tout juste 75 ans, à bord de navires de guerre et de péniches de débarquement, ils ne savaient pas s'ils allaient survivre aux mines et aux tirs ennemis. Aujourd'hui, des héros du jour J, presque centenaires, réitèrent cette traversée de la Manche grâce au navire MV Boudica, spécialement construit à cet effet. Après avoir assisté aux commémorations nationales, ils ont pris la mer dans des conditions bien éloignées de celles qu'ils ont connues en juin 1944 lorsqu'ils ont quitté les côtes anglaises. Et pour certains vétérans, c'est la première fois qu'ils s'apprêtent à revenir sur les lieux en Normandie. À leur arrivée, ils vont prendre part à des cérémonies commémoratives qui se tiendront dans des cimetières militaires tout près des plages du débarquement. Ford va réduire la voilure au Pays de Galles, un nouveau coup dur pour l'industrie automobile au Royaume-Uni. Le constructeur américain a annoncé qu'il comptait fermer l'usine de moteurs de Bridgend en septembre 2020. 1700 emplois sont menacés. La firme invoque la baisse d'activité du site. La production d'un moteur pour Jaguar Land Rover doit notamment cesser en fin d'année. Cette fermeture s'inscrit dans une restructuration à travers toute l'Europe où le constructeur américain emploie 54 000 personnes. Ces deux autres sites britanniques, à Dagenham et près de Liverpool, ne sont pour l'instant pas concernés. Si la direction de Ford assure que cette décision n'a rien à voir avec les incertitudes liées au Brexit, depuis des mois, les mauvaises nouvelles se succèdent dans le secteur automobile britannique. Nissan, Honda et Jaguar Land Rover ayant annoncé des réductions de production, des fermetures ou des suppressions de postes. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Plein succès aux candidats. Bon PC. Bonsoir chez vous.